Prêt à ouvrir le capot? Ma clé 12 pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les plaquettes bulk utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la manette d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Desserre les goujons des roues arrière. Soulève l'arrière de ton véhicule. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Pose le véhicule sur les chandelles. Afin de réaliser le changement des plaquettes arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de retirer les roues pour avoir un accès complet. N'oublie pas de glisser les roues sous le véhicule. À l'aide d'une clé plate de 13, débloque la vis supérieure de colonnette. Il arrive qu'il faille empêcher le contre-écrou de tourner en le maintenant avec une clé de 17. Fais de même avec la vis inférieure de colonnette. Retire l'étrier. Retire les plaquettes. Pour ce faire, fais-les coulisser en les éloignant du disque. À l'aide d'un tournevis plat, retire les anti-bruits. À l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes. Cela facilite leur repose. Rentre le piston. Pour cette manipulation, il est indispensable de se munir d'un repousse-piston, outil spécifique qui te permet à la fois de repousser le piston, mais aussi de le faire tourner sur lui-même pour réarmer le système de rattrapage de jeu de ton frein à main. Bon, les gars, si on peut vous proposer cette vidéo et vous permettre d'économiser de l'argent, c'est aussi grâce à notre partenaire, Mister Auto. Alors si vous aussi voulez nous soutenir, pour acheter les pièces de cette opération, pensez à aller sur leur site. Allez, on y retourne. Tu peux retrouver les pièces et produits bulk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Mets en place les anti-bruits sur la chape. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Insère les nouvelles plaquettes dans la chape en les faisant coulisser. Remets maintenant l'étrier en place et revisse les vis de colonnette. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Nettoie les deux faces du disque avec du nettoyant frein et un chiffon, afin de retirer la graisse déposée lors du montage des nouvelles plaquettes. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention! Avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe
toujours sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Salut, c'est Théo de Maclet 12. Bon, vous êtes seulement 6,5%. Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous!